Ça fait 30 ans depuis que le peuple haïtien a décidé de commencer la démocratie après 29 ans de dictature. 29 novembre 1987, mon yo était campé dans l'île là avec ZAM, yo, ZAM sa constitution en bas, ZAM sa la loi en bas, qui c'est carte électorale. Pour yo était venu voter. Puis on était venu voter pour les gens qui ont besoin de nous diriger. Mais malheureusement, nous connaissons ce qui est arrivé. Nous avons gagné une fusillade qui était passée dans Ruyel Vaillant, devant le bureau de vote. Moi, je viens là, c'est pour me dire tout le monde, pour me dire toute la communauté internationale qui a regardé nous. Le peuple haïtien qui a regardé nous et présence trois pouvoirs qui là. C'est dit que nous disons aujourd'hui, démocratie, c'est pour le triompher. C'est par la voie des urnes, c'est par la voie des élections pour nous prendre pouvoir dans le pays. Nous disons que deux forces armées qui sont dans le pays. Nous voulons parler de la police nationale, nous voulons parler des forces armées d'Haïti qui rétablissent. Deux forces sérieuses, c'est deux forces apolitiques. C'est deux forces qui ne sont pas là pour mêler dans les affaires partisans. Ça veut dire que les gens qui font politique pour bon pouvoir. Deux forces sont là pour protéger la vie avec bien les gens. Forces sont là pour protéger le territoire. Forces sont là, tant que les forces armées d'Haïti sont là pour une catastrophe naturelle, pour venir aider le peuple. Mais ça n'a jamais fait encore dans le pays. Et nous disons. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons renforcé l'institution. Même gens, nous avons travaillé pour nous sortir après 30 ans. 30 ans côté conseil électoral qui a fait l'élection, c'était le seul conseil électoral provisoire que la constitution a reconnaître. 30 ans après, c'est un provisoire, nous est toujours. Nous prenons une décision au plus haut niveau de l'État pour nous dire qu'il faut nous finir avec les affaires provisoires. Nous prenons une décision pour le pays. Il y a une institution qui est forte à donner, tant que le conseil électoral permanent, même gens avec la cour constitutionnelle. Mais nous disons, son devoir de mémoire pour nous dire tout le peuple haïtien, pour nous dire la communauté internationale, là, ça n'a jamais arrivé dans le pays encore. Côté le peuple prend décision pour lui-même, pour prendre route élection, pour aller voter les gens qui vous dirigent, et puis pour un petit groupe de gens décider de gagner l'élection. Ça n'a jamais arrivé encore. Thank you.